Tu es le dernier chevalier lumière. Je te donne ma puissance et ma connaissance. Tu dois poursuivre ta route, mais tu ne seras pas seul. Voici l'homme que j'ai choisi. Ça va? C'est moi. Mais c'est qu'un mauvais rêve. C'était horrible. Il y avait des types affreux avec des casques bizarres. Ils avaient des motos. Il y a aussi des chevaux. Ah oui, je vois. Mais c'est fini maintenant. Hmm? C'est la dernière fois que tu regardes ce genre de bêtises avant d'aller te coucher. Je crois pas que ce soit la télé. C'est plutôt la pizza. Oh, j'ai un cauchemar personnel qui commence dans 4 heures. Je vais au tribunal. Tu crois que tu peux te rendormir? Je vais bien te border. Voilà, comme ça. Ça va aller. Je peux passer la nuit près de toi, si tu veux. D'accord. Ça te plairait? Parfait. Bon, allez, on fait dodo. Et maintenant, on ferme les yeux et on dort pour de bon. Dites-nous ce que vous avez vu ensuite, sergent Rizzo. J'ai vu le prévenu, M. Sweeney, lancer un sac de pièces de collection par la fenêtre. Avez-vous retrouvé ce prétendu sac? Non.
Vous avez peut-être retrouvé ses pièces? Non, et nous pensons que Sweeney avait un complice avec lui. Tout ce qui suit une négation est irrecevable. Objection retenue. Est-ce que le prévenu vous a avoué qu'il avait jeté un sac de pièces de collection par la fenêtre? Vous plaisantez. Veuillez répondre à la question, s'il vous plaît. Non, le prévenu ne m'a fait aucune confidence, mais il avait... Alors, voulez-vous être assez aimable, sergent Rizzo, pour nous dire comment vous en avez déduit que le prévenu avait lancé un paquet de pièces de collection à travers une fenêtre? Il a acheté quelque chose par la fenêtre. Quelque chose? Les pièces. Le propriétaire a dit que les pièces avaient disparu. Objection. Objection retenue. Ce gars est un cambrioleur. On a une liste impressionnante de précédents sur lui. Mais aucune condamnation. Je fais encore une objection, votre honneur. Accordé. Sergent Rizzo, il n'est pas admissible de faire allusion à de simples présomptions. Vous savez tout ça. Vous devez faire un témoignage technique. Oui, votre honneur. Je suis désolé. Pas d'autres questions? Vous pouvez disposer. C'est fantastique. Voulez-vous approcher, s'il vous plaît? Après les attendus de l'avocat de la défense et avec l'assentiment du procureur du comté, cette affaire est classée. Faute de preuves. Affaire suivante. Ah, merci. Eh, pas de chance, Rizzo. Je t'aurai la prochaine fois. Oui, encore faudrait-il qu'il y ait eu une première fois. Laisse-moi te dire une chose, Sweeney. J'ai pas pu te coincer au tribunal, mais il vaudrait mieux que je ne te trouve pas sur mon chemin, c'est compris? C'est vous, sergent Rizzo? Ouais. Désolé pour tout à l'heure. Certains de mes clients ne sont pas des anges, mais je dois malgré tout faire mon travail. Et vous laissez un coupable en liberté, sachant qu'il fera un nouveau coup. Il est innocent jusqu'à ce qu'on prouve sa culpabilité. Vous êtes plutôt doué, vous savez. Doué? Oui, doué. C'est le genre de compliment que je n'apprécie guère. Ah, dommage. Vous pourriez m'offrir un verre et m'appeler Catherine? Ah, vous n'êtes pas ordinaire. Vous m'avez tourné en ridicule au tribunal et maintenant vous voulez qu'on prenne un verre en copain? Eh bien, je crois qu'il faut séparer notre vie professionnelle de notre vie privée. Vous ne croyez pas? Je connais un petit bar à deux pas d'ici, mais je n'aime pas les avocats. Et je préfère y inviter une jolie femme. Venez. Salut, Ernie. Bonsoir, monsieur Rizzo. Ça a été aujourd'hui? Terry, le voleur a été relâché, mais j'ai gagné un rendez-vous. Vous avez un rendez-vous avec le voleur? Non, non, avec son avocate. Elle est fantastique, brillante, superbe. Enfin, tout ce que je veux chez un avocat et que j'adore chez les femmes. Comment elle s'appelle? Catherine Sebel. Elle est aussi jolie et intelligente que Mademoiselle Blake? Elle est plus moderne, tu vois ce que je veux dire? Non, tu ne comprends pas. Un jour, tu comprendras. Je croyais que vous aimiez Mademoiselle Blake? Non, bien sûr, Ernie. Bien sûr que je l'aime. Mademoiselle Blake est notre assistante sociale et je ne peux pas toujours être aussi gentil avec elle que je voudrais. Bien, Catherine, elle, elle est... Tu vois, il y a deux sortes de femmes dans le monde, Ernie. Il y a les femmes avec lesquelles on sort et puis les femmes avec lesquelles on rentre chez soi. Tu vois la différence? C'est le divertissement. Pas vraiment. Jamais Sabosan ne t'a parlé de ces choses? Mais qu'est-ce que tu sais à propos des femmes? Rien. Ah ben merci du cadeau. Il y a du travail, Sabosan. Écoute, Catherine m'a invité à une exposition artistique dans son appartement. Alors dis-moi, est-ce que cette cravate convient pour une exposition artistique? Oui. T'en es certain? Ouais. D'accord. Merci. Salut. Patricia. Est-ce qu'on avait rendez-vous? Oh, non, 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 non. J'étais dans le coin et j'ai envie de passer. Ah. Vous me donnez la permission d'entrer? Oh, excusez-moi, entrez, oui. Bonjour, Ernie. J'ai pensé, si vous n'étiez pas trop occupé, qu'on pourrait aller manger un hamburger tous les trois. Oh, c'est vraiment une très bonne idée. Mais Patricia, malheureusement, j'ai un autre projet. Oh. Oui. D'ailleurs, j'étais sur le point de m'en aller. Ah oui, je vois. Oui. Mais Ernie, lui, ça lui plairait, hein, n'est-ce pas, Ernie? Oh, super. Alors, c'est parfait. Bon, mais il faut que je m'en aille. Passez une bonne soirée tous les deux. Vous aussi? Bien sûr, merci. Au revoir. Au revoir. Alors, monsieur Rizzo, un rendez-vous? Oui, apparemment. Ah, tu merdes.
Je suis ravie que vous soyez là. Oui, moi donc. C'est un endroit très agréable ici. Je crois que vous pensez que si le crime ne paie pas, il paie les défenseurs de ces criminels, c'est ça? Ah non, pas du tout. Habituellement, je dis toujours ce que je pense. Je voudrais dire quelque chose sur vos yeux. Ils sont en parfaite harmonie avec votre sourire. Si vous aviez parlé de cette façon à la barre des témoins, mon travail aurait été plus difficile. C'est le moment où la dame avec les cornes dévore l'homme lézard. Oui, monsieur Rizzo m'a parlé de ton cauchemar. Tu ne risques pas d'en avoir un autre? Non, bah avec ça, j'ai déjà vu 4 fois. Waouh, regardez ces tenailles. Monsieur Rizzo t'a dit à quelle heure il pensait...